La diaspora, je voulais vous saluer. Manglendi nous y est nyap kuti na kuturam accentam. Yenwa osé l'avenir nyonga khamni. Depuis ti souba, depuis ti dembe, ti 14 régions Sénégal, ti 46 départements Sénégal, ti diaspora, ti bir rewmi ak bitim rewmi, yen ñep tay and ngeen ci grand théâtre pour samp suñu parti politique, def suñu congrès constitutif ba paré nak investir suñu candidat le premier ministre Amadou Ba, moy candidat bi gagné, moy candidat bi ñu bëgg, moy ki ñu Macky Sall tanal, moy ki ngeen tan yeen wa oser l'avenir. Mais bala lolu ngeen mayma ma nuyu personnalité yu tedd yu fi tew. Xam ngeen ko man dama bok ci gouvernement, mais gouvernement bobu dafa am nak ko samp tek ko muy son excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Yeen wa oser dama bëgg ngeen taccul ma Macky Sall, président de la République du Sénégal. Yeen wa oser dama bëgg ngeen taccul ma le président de notre coalition. Président Macky Sall bi nga xamni gouvernement ma ngi ni top suma limé Cheikh Kanté bi nga xamni ministre la ci bir gouvernement bi damay lim nak sama rak bop ki mu wutu affaires étrangères di le professeur Ismaïl Madior Fall mu ngi ni top suma ko santé mom damay lim sama rakku bop mi fi téwone am yitté mu dem doxiko muy le ministre Moustapha Diop ki nga xamni moma yoré industrialisation sama ko santé damay santé benen ministre bu fi ñew tok moy sama rakku bop ño andone di liguey affaires étrangères di madame le ministre Anel Sek Ndiaye qui est chargé des Sénégalais de l'extérieur sama ko défé ba paré damay nuyu ministre bo xamni nak mom lañ ma toftal ñuy and di liguey ministère de la justice muy le professeur El Hadj Mamak Samb ñoñu suma leen nuyo ba paré damay nuyu nak délégation bi nga xamni président Abdoulaye Daoud Diallo moko yebal fi docteur Alassane Ndiaye jité ko yeen ñepp nak ak sama cabinet bop sama directeur de cabinet ngi ñi tok sama dajang ngi ni tok sama conseil ñu ngi ni tok osé na ngeen xamni seen bëss bi ñepp passé japp président Macky Sall japp na ci gouvernement japp na ci Amadou Ba dina ñew légui waxal ko bopam mo ci ñëk japp kon bok bëss bi bu rafété dañuy né gatché ngalama osé wala gatché ngalama président Macky Sall gatché ngalama gouvernement président Macky Sall. Merci. Monsieur le ministre Cheikh Kanté. Monsieur le xamna ni na jëne sérieur yi xif nañu seen yaram ngi commencé dé. Mais dañu nek congrès dé. Congrès lañ nek. Bu fi kenn yoxi amul dara lu ñuy ragal. Ñun dañu am fit, am pass-pass, am taxway dem ba jeex. Di marche di and di manifester ba nguur gi ñew suñu loxo bi nguur gi ñewé suñu loxo en 2012 mu tanama ma nek député de la coalition benno bok yakar ma siéger assemblée nationale 2012 ak légui fukki at ak ñaar la kon bok suñu and du and demb du and barki demb du and wèr du sax andu at and bu yag la en 2019 nak niko bokkar waxe ñun ñu tan and ak mom parce que mo ñu doy parce que mom lañ xam
parce que mom lañ wolu parce que mom lañ yakarne bu jitté Sénégal Sénégal day dem ci kanam biñ ko tanné dañ ko rëccuul ñaari yoon dañ ko rëccuul benn yoon dañ ko musulu rëccu parce que biñ ko tanné il a choisi que moi je sois parmi son équipe gouvernementale motax 2020 ma ñew mu denk ma mais mu denk len yeen ndax ministère ba defena ñep gis nañ ci sen bop rew mi ci li ñuy liggéey ñep gis nañ ci sen bop donc mu ne ma li la bëgg ay sat nga doxalal mako ma nek ci lolu di liggéey lolu ba tay mu yobbu ma fenen pour ma liggéey lolu mais man lan la xam ci Macky Sall lan la xam ci Macky Sall suñu président coalition ce que je sais de Macky Sall c'est que Macky Sall est un grand leader Macky Sall est un leader respecté j'ai été son ministre des affaires étrangères pendant près de 3 ans j'ai été partout avec lui je l'ai vu avec Poutine je l'ai vu avec Biden je l'ai vu avec Macron je l'ai vu avec Ramaphosa je l'ai vu aux Nations Unies je l'ai vu à l'Union Africaine partout, partout fait pour Macky Sall né les gens l'ont écouté les gens l'ont respecté les gens l'ont admiré parce qu'avec courage avec détermination il a défendu le Sénégal mais plus que cela il a défendu l'Afrique il a défendu son continent voilà qui est Macky Sall donc Macky Sall c'est le président Macky Sall mai 2017 nous lançons ce mouvement une semaine 27 mai 2017 on a déposé nos listes pour aller à l'Assemblée nationale et on a été à l'Assemblée nationale mais mieux que ça comme a dit Bocar on était 6e dans le Sénégal sur plus de 47 listes qui avaient été déposées quand bon gâté n'a la main osé l'avenir gâté n'a la main coalition mais en saluant merci Awa merci Michael merci mais en saluant Bocar Sédir MDP Yamalé Alternative Citoyenne Horizon Banlieue avec Abdoussi et tous les autres qui sont là je voulais vous dire Bocar que nous devons encore continuer que nous devons encore avancer que nous devons encore être plus forts que nous devons encore être plus résistants. Xam ngeen pour lan? Parce que pour man politique du tiaxan. Politique du faux, politique du tiaxan, politique du salni sa kaddu. Muku ci adina. Man ni ay sa tatal, xam ngeen ko. Moi, je suis de l'école du Parti Socialiste. Yeen jep xam ngeen ko. Ñima doon andal Parti Socialiste ñu ni sama kanam. C'est les Seyni Sané et tous les autres. À l'école du Parti Socialiste, on nous a appris que la politique n'est pas un jeu. On nous a appris que la politique, c'est l'engagement, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la résilience. On nous a appris que la politique, c'est la rigueur. Et comme disait le président Senghor, la politique, c'est l'organisation et la méthode. Comment nous devons être? Comment nous devons avancer? Comment nous devons atteindre cette petite lumière que nous apercevons au fond de la salle et que seuls quelques-uns voient. Mais quand ces quelques-uns ont vu la lumière, qu'ils tendent la main à tous les autres pour qu'ensemble, on puisse avancer et aller vers votre destin. Voilà ce que c'est que la politique. Donc, camarades de Osé, et vous le savez, avec nous, beaucoup sont venus. Certains d'entre nous ne sont plus là aujourd'hui. Il faudrait leur rendre hommage. Il faudrait prier pour le repos de leur âme. Et il faudrait les confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas oublier qu'ils se sont investis à nos côtés, avec nous, pour engager cette grande aventure. Camarades de Osé. Camarades de Osé. Je voulais
vous dire merci pour votre courage exemplaire. Ouais, merci, merci, merci. Je voulais vous dire... Je voulais vous dire... Ouais, merci aux camarades de Richard Toll avec Julio. Merci. Yes. Merci, merci aux camarades de Richard Toll et merci à Suleiman Si Julio. Lézard. Je voulais donc vous dire, camarades de Osé, que votre courage... Yes. Camarade Osé, je voulais vous dire merci du fond du cœur. Merci pour votre courage exemplaire. Celui-là dont vous avez su faire montre à chaque instant de notre marche politique. Merci pour avoir bravé toutes les difficultés et les privations. Merci surtout quand il a fallu être solidaire dans les options et nos choix, malgré les doutes, malgré les questionnements, malgré les critiques. C'est que pour nous, l'engagement politique a un sens et du caractère. Le caractère, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui de la rigueur, de la détermination et de la ténacité. Nous le savons, ceux-là qui gagnent, ils n'abandonnent jamais. Mais ceux-là qui abandonnent ne gagnent jamais. Et à Oser l'avenir, nous n'abandonnons jamais le combat. Nous sommes toujours là, debout et déterminés. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, plus que déterminés, plus que confiants en nous-mêmes pour continuer notre chemin, celui que d'illustre prédécesseur avait déjà tracé. Et parmi ses prédécesseurs, je voulais citer, ils sont nombreux, mais je voulais citer Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, dont nous avons été à l'école. À notre père Léopold Sédar Senghor, avec cette magnifique chanson de Yande Kodoussène, où elle chante Kordjo, Léopold Sédar Senghor Kordjo. Merci aux représentants de Fatick. Donc, je disais que cette école, elle est l'école de la rigueur et l'école de l'efficacité. C'est pour vous dire que marchant sur les pas de Senghor, nous allons organiser et structurer notre parti. Notre parti va avoir ses structures. Il sera organisé. La légitimité dans le parti va conférer la responsabilité. La responsabilité ne va s'acquérir que par la légitimité. Tous les responsables vont être élus de la base jusqu'au sommet, y compris moi-même, la présidente. S'il n'y a pas de légitimité, il n'y aura pas de responsabilité dans notre parti. Nous allons donc travailler, et nous l'avons fait. Vous avez lu les statuts, vous avez lu le règlement intérieur, vous les avez adoptés en les ayant amendés au préalable. Et c'est ça qui va être le pacte qui va nous lier dans l'organisation, dans la vie et dans l'avancement de ce parti. Mais Oser l'avenir, c'est également une idée politique. C'est quoi Oser l'avenir? Qui nous sommes? Qui est Oser l'avenir? Qui vous êtes-vous, camarades de Oser l'avenir? Les personnes ou les militants de Oser l'avenir, ce sont des personnes debout qui croient en eux-mêmes et qui osent affronter ce qu'ils sont en train de faire. Voilà les militants de Oser l'avenir. Donc, nous sommes là parce que nous croyons en l'être humain, parce que nous croyons en nous,
parce que nous croyons en notre capacité de réaliser notre destin. C'est pour ça que Oser l'avenir est un parti qui se fonde sur l'humain et c'est un parti de progrès. Le parti de progrès, c'est celui-là qui pense que par l'homme, par sa science, par sa détermination, par son courage, il n'accepte pas de subir le destin, mais il accepte de travailler et de façonner son destin. Donc, la société à laquelle appelle Oser l'avenir, c'est une société du progrès. La société du progrès, elle va se fonder sur l'humain. Elle aura comme cadre la République. Elle va supporter les règles de la démocratie et elle sera ouverte à l'Afrique et au monde. Oser l'avenir, je le disais, est un parti progressiste. Un parti qui fera de l'homme l'acteur et le sujet de toute œuvre politique. L'homme dans le sens du respect dû à la personne dont nous devons refuser son instrumentalisation. La société de progrès, pour manifester le sens profond qu'elle a de la dignité humaine, elle mettra en avant l'égalité des citoyens, l'égalité des chances et la sacralité de l'homme. L'éducation, l'emploi et particulièrement l'emploi des jeunes, la santé, le cadre de vie, l'agriculture, l'habitat, l'industrie, etc., 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 etc. La société de progrès, par le bien vivre, par l'épanouissement culturel, par la création de richesses. La société de progrès pour un développement assuré, équitable et véritable. La société de progrès dans le cadre de la République, parce que c'est dans la République que nous pouvons exister. C'est dans la République que nous sommes tous nés libres et égaux. C'est dans la République que chacun peut compétir et récompenser à la hauteur de son mérite. La société de progrès pour accorder une grande place aux valeurs morales, aux valeurs humaines et aux valeurs éthiques. Et cette République, nous la voulons. Nous la voulons et nous voulons la préserver. Nous voulons la protéger parce que c'est ce que nous avons de commun et c'est ce que nous avons de plus cher. Mais nous voulons aussi une République qui réponde à l'aspiration de la société de progrès. C'est pour ça que cette République, nous la voulons d'abord moderne. Qu'elle soit moderne, débarrassée de tous les archaïsmes qui en feront une République admirée, respectée et connue dans le monde entier. Cette République, nous la voulons également modeste. Nous voulons qu'elle aille au rythme où vont ses citoyens. Et cette République, nous la voulons modèle, c'est-à-dire exemplaire. La République moderne, elle va être en phase avec son temps. La République modeste, elle va répandre le bien-être à ses citoyens et pas se servir d'eux. Et la République modèle, elle va montrer le chemin par l'exemplarité. Ainsi, la République sera pour nous tous. Elle sera équidistante de nous tous et elle va nous servir, nous tous. Quand cette République sera, elle l'est déjà, mais encore davantage, comme je viens de l'être, alors la démocratie va être réelle. Et cette démocratie, elle va se fonder sur 5 piliers. La souveraineté du peuple, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, la règle de la loi et la primauté du droit, la garantie des libertés fondamentales, l'indépendance des médias, l'alternance au pouvoir. Et en plus de tout ce que je viens de dire, il y aura la participation du citoyen et le contrôle du citoyen. Mes chers camarades, ce que vous propose le parti Oser l'avenir dans sa ligne politique, c'est de changer la vie, comme disait François Mitterrand. Et pour changer la vie, nous devons être le parti de l'intérêt général. Oser l'avenir ne sera pas le parti d'une personne. Elle ne sera pas le parti d'un groupe. Il ne sera pas le parti d'un clan. Il sera le parti de tout le Sénégal pour être le parti de l'intérêt général. Donc, nous devons nous préparer à cela. Et nous devons nous préparer à assumer cette responsabilité. C'est pour cela et en cela que nous serons le parti de l'avenir.
si nous sommes le parti. Avec le soutien des hommes et des femmes qui sont là, je suis sûr, avec votre engagement, nous ferons en 5 ans ce que le président Macky Sall a fait en 10 ans. Et c'est exactement, c'est presque ce que le président Macky Sall a fait par rapport au président Ablaye Watt. Il aura au moins tout doublé en 12 ans. Nous, nous avons l'ambition de doubler en 5 ans. Et c'est possible. Kon ma ngi len di sante bu baax. Di len gëreum. Sal bi rafet na lol. Mais bëgg nañu Sénégal. Parti Oser l'avenir. Membre de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, de la grande coalition qu'est la majorité présidentielle élargie. Je vous salue. Je salue cette grande mobilisation. Je salue cette ferveur. Je ne suis pas surpris parce que connaissant Aïssata Tall Sall, j'ai commencé par dire ma sœur, parce que tout simplement, je la connais, on se connaît depuis très longtemps. C'est une militante engagée, déterminée, brillante. Elle est très courageuse, en plus d'un don de Dieu, qu'est l'intelligence. Aïssata, merci. Merci pour ton soutien. Soutien qui ne date pas d'aujourd'hui. Soutien d'avant même que le président de Macky Sall, un homme à qui nous devons beaucoup, un homme généreux, un homme engagé pour ce pays, avant même sa désignation et la désignation des membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Aïssata m'avait toujours montré qu'elle pensait que je pouvais encore être utile à ce pays. Elle a toutes les compétences, elle a toutes les qualités, mais c'est une forme de générosité. Aïssata, merci du fond du cœur. Et justement, je suis rassuré. Et c'est pour cela que je vous rassure. C'est d'avoir des hommes et des femmes aguerris, des hommes et des femmes patriotes qui ne veulent d'autre autre chose que le bien du pays, que ces hommes soient autour de moi. C'est pourquoi ensemble, nous allons poursuivre l'œuvre de construction que Macky Sall a eu à faire pour ce pays. C'est vrai, le Sénégal indépendant a une grande tradition démocratique. Senghor a fait quelque chose, c'est la vérité. Abdou Diouf a fait quelque chose, c'est aussi la vérité. Maître Wade a fait quelque chose, c'est encore une vérité, mais de tous, objectivement. Le président Macky Sall aura plus fait pour ce pays. Buñu nexé né wërsegam la. Mais li gëna jaadu ñu xamni que c'est sa vision. Bëgg réew mi, sa détermination et son engagement. Motax je suis fier d'être avec Aïssata dans le gouvernement. Ma gis xarañam. Gis ni muy jappalé président Macky Sall. Amna ñu nek fi nek ak mom ci gouvernement wala xamone ko ci ses activités professionnelles
xamnañ ni li may wax politique taxul mo diko wax. C'est pourquoi Aïssata, j'accepte avec humilité, j'accepte avec engagement votre investiture. Vous avez raison de dire content ngeen ci Aïssata yéna ko wax déggu mo lu bari dé no déggu mo ndax limu def xam nga li tax ma bamtuwaat ko sama xel dafa dal machallah wax naa ko léegi ci kàllaama français dafa am loo xam ni boo ci bokkee yàlla boole la ci nga ànd ak ay kilifa ñoo xam ni biir na leen ni am nañu xam-xam am nañu expérience gënoo leen bëgg réew mi ñoom ñëpp ñu ànd léela nañu boole sunu doole boole sunu am-am boole sunu kàttan pour jëriñ réew mi nga bokk ci loolu da ngaa war a bég sa xel war a dal ndax ku nekk ci ñoom lii nga xam ni dal na ci man ku nekk ci ñoom xam naa ni mën naa def lu doy noonu wala sax mu def lu ko ëpp. Kon man li ma war mooy ànd ak ñoom li ma war mooy di leen déglu li ma war mooy di waxtaan ak ñoom li ma war mooy bu ñu jubloo ci dara buñ ne benn ngor may ma dem ñaar loolu moo tax ñu ànd ak président Macky Sall ni ma ko waxee léegi mu def fi liggéey bu mucc ayib insha allah liggéey boobu danañ ko yokk xam nga am na fu ma ko wax Sénégal xamul woon autoroute à péage may leen ma ñëw Ablaye Watt tàmbaliko boobu Macky Sall mooy premier ministre dëgg la wala dëgg def ci fanweeri kilomètre ak ñaar wala ñett dëgg la wala du dëgg Macky fu mu toll léegi ëpp na ñaar téeméeri kilomètre dëgg la wala du dëgg te fan yii di ñëw dina yegg caajaay semaine bii ñuy dugg fii ak ñetti weer dina dem ba Kaolack te semaine bii ñuy ñëw autoroute bi jëm ndar dina tàmbali waaw léegi man mi nga xam ne maa ànd ak ñoom Aïssata ànd ak gor yu baax yi toog fii dem lijjanti mbir mi ànd ceeg président Macky Sall bu mu mën a def ñaar téeméeri kilomètre kon bu ma leen ne dinañ ko doublé ci juróomaat yi won na ma yoon wi xam naa ko ba ma fa demee yàquma fa dara kon boor boobu moom na seen xel dal mais li nga xam ni président def na ko ñu war ko yokk loolu dootuma ci wax sax lu bari moo xam train bi la moo xam ci mbay mi la moo xam ci wàllu culture
mo xam ci walu sport mais fi may insister moy man je veux être le président de l'emploi des jeunes xam ngeen lutax xam nga jerejeuf jerejeuf xam nga bo beugé jité réw da ngay and ak ay nit ñu xam réew mi waye da ngay xam soxla askan wi xam nit ñi tay ji li sénégal bindo afrique non la bindo mais ñew ñu bari ci afrique donte ñom ñu upp alaw ki nek na ministre des affaires étrangères xamna bu baax limay wax wërna aduna bi yépp réew ëppalé nañu té ñu gën ko ni ñuy dundé mais nak am nañ suñu jafé jafé emploi daf ci bok donte nak président Macky Sall def na ci lu bari bari lu bari bari lim ci def fofu lañuy tambalé ful ko té liñu koy may li ci jitu moy jamu ju mot seuk and don ben baña xiro baña ngaayo ku nek wax sa xalat mais rassembler benno est déjà un rassemblement sûr solide mais dañ ko wara yok on va s'ouvrir dinañ ko yok li ci président Macky Sall def reyna moy coalition bi nga xamni ma sha Allah def na lu upp fukki at ak ñaar sénégal ci histoire am ci tarixam musul am lu mel non ñun suñu volonté moy yok benno bokk yaakar suñu volonté moy sénégalais bo xamni gëm nga république bëgg nga démocratie yéene nga réew mi jamm nga ñëw ñu waxtaan and ak yow liggéey réew mi soxlawul leneen lu dul liggéey soxlawul kuy jàng yàlla nag dafa def ñi mokkal ñu ngi ci boor bi ñiy jàng ñu ngi ci boor bële man de du ma jël sama oto di ko jox ko amagul permis de conduire fim la jëmee du neex say mbokk moo tax je demande aux jeunes de nous faire confiance nous avons accompagné le président Macky Sall qui a fait de grandes réalisations notre ambition est de faire encore plus notre ambition est de faire encore mieux notre ambition est de faire encore plus vite Je suis sûr, février, pour Inch'Allah, pour qu'à partir du 2 avril, nous allons venir à la ligue. C'est ce que nous avons dit. Nous allons tirer les enseignements de tout ce que nous avons fait, amplifier, consolider, changer, si c'est nécessaire. Je ne suis pas adepte, je ne suis pas adepte de ceux pour qui changement signifie détruire et reprendre. Amul ben réew buñ tabaxé non nañu yaqli fi nek yépp tambali wat dedet motax ma jox len exemple autoroute bi Ablaye Wade daf ko tambali ñepp taxaw Sénégal di wax Abdoulaye Wade luñu ñun luñu dey autoroute à péage Momar Samb xam nga bu baax limay wax bim ko defé ñu gis njariñam
Macky Sall ñew dinañ dem presque à 300 km d'autoroute légui xam nañ jariñam mais lu autoroute bobu di jariñ li courant bobu di jariñ da fay tax Sénégal ñu gëna mëna liggéey gëna mëna am lo xamanteni xalé yi ak jigéen ñi dinañ ci mëna grâce à des politiques qu'on va renforcer, des politiques d'équité sociale, des politiques d'emploi, une politique agricole, des réformes dans beaucoup de secteurs, y compris dans l'administration, permettent à notre pays d'aller de l'avant à une vitesse que ce pays n'a jamais connue, ceci dans la stabilité, dans la paix, dans la sérénité. Je vous remercie.